الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la dernière fois, nous explique concernant Tawhid al-Rububiyya. La dernière fois, nous commence. Explique concernant Tawhid al-Rububiyya. Nous finissons dire que Tawhid, Allah Ta'ala, sur l'unicité, les divise en trois catégories. Nous finissons cause concernant, nous finissons explique Allah Subhanahu wa Ta'ala, sur l'unicité, les divise en trois catégories. Ou bien trois aspects plutôt. Nous finissons dire, ben, avant, je finissons servir différentes terminologies. Je finissons dire que Tawhid, ce trois aspects, c'est Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa al-Sifat. La dernière fois, nous t'expliquons le al-Rububiyya. C'est quoi? Premier aspect de Allah subhanahu wa ta'ala sur l'unicité, c'est qu'Allah ta'ala li al-Rab, li tout seul li Rab. Nous te disons qu'Al-Rab, c'est celui qui le Khaliq, le Créateur, Malik, celui qui possédait, qui own sa création, celui qui Razik, celui qui sustainer, qui donne risque à sa création, aussi Allah li al-mudabbir, celui qui administrait sa création. Alors ça, je t'explique ce mot rob là, ça a une signification là, il rentre dans le mot rob. Celui qui créateur, celui qui possède sa création, celui qui sustain sa création, celui qui administrait sa création. Dans sa bonne action là, veut dire dans risque, dans contrôle de la création, dans la création, dans l'action de créer. Allah Ta'ala est unique. Pénanaronier qui est associé avec lui dans l'aspect de son unicité. Alors, ça c'est premier aspect de Allah Ta'ala, son unicité. Deuxième aspect, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Alors, ça thème là, al-Uluhiyya, parfois je traduis comme divinité, un autre nom pour ça, l'aspect de Tawhid, là c'est Tawhid al-Ibada. Veut dire Allah Ta'ala tout seul qui mérite l'adoration. Quand nous disons Tawhid al-Uluhiyya, c'est même qu'il nous dit la kalima La ilaha illallah. La ilaha. Ilah, là nous gagnons le mot Uluhiyya. Ilah, c'est celui qui mérite l'adoration. Donc, quand nous peut dire Tawhid al-Uluhiyya, nous peut affirmer qu'Allah Ta'ala tout seul, lui mérite l'adoration. Qui fait? Ça, c'est un résultat logique. Quand du monde l'inaccepte qu'Allah le Rob, Allah qui fait une créli. Allah qui fait donne lui la vie, Allah qui donne le risque, Allah qui administre toute la création. Quand du moins il a accepté ça, il y a une implication logique qui saisit sa créateur là qui mérite l'adoration. Parce que c'est lui qui fait faire tout ça, pas de quelque chose là. Donc, la cause ça, Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'objectif avec lequel Allah Ta'ala fait créer la création. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fait mention. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ On n'a pas fait créer l'homme et djinn إِلَّا لِيَعْبُدُونَ excepté pour qui je te fais mon adoration. Alors, ça c'est l'objectif de la création, de toute la création, afin que la création, ma créature, je te reste dans عبودية, je te reste dans servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. La cause ça, nous trouvons le mot abd, serviteur, esclave. Même nous gagnons le mot esclave. Hein? L'ibada, abdun, ça m'a demandé depuis un seul racine. Allah il crée toute la création pour qu'il nous reste de ce service, pour reste de ce ribada, de ce servitude. Et avec ça même l'objectif, Allah Ta'ala fin envoie ben, un prophète. C'est même l'objectif. Comment nous venons trouver l'objectif de la création? Il a l'Abudoun, saisisse pour créer moi, pour, excuse-moi, saisisse pour adorer moi, veut dire, Tawhid al-Uluhiyya, comme ça même, Allah Ta'ala, il envoie un prophète pour faire un djimoun connaître qui saisisse Allah qui mérite l'adoration. Parce que c'est là qui un djimoun fin fêter. C'est là qui un djimoun fin faire errer. Quand nous pouvons être dans hadith, dans un athar de un sahaba aussi, nous pouvons trouver qui. Prends depuis Adam jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam, tout le monde peut adorer Allah. Tu n'as péché, péché existait. Insan y fait péché. Mais prends depuis Adam jusqu'à Nuh alayhi salam, sur l'époque, tout le monde peut adorer Allah. Là, erreur fin apparaît de Tawhid al-Uluhiyya. Dans le fait qu'Allah uniquement les mérite l'adoration.
qui vient d'un peuple de Nuh alayhi salam, qui est la bandimon qui, je ne commence à deux bandimon mot. Get comment chef fin commencer. Par exagération, tu as un bandimon qui, je t'y pieux, les temps je te fin mot, ban, shaitan fin vin espier dimon, fin dia dimon, qui sa bandimon là, nous bizarre rappel je c'était bandimon pieux. Sa bandimon là, c'était vraiment bandimon pieux. Allo, ban shaitan, il dit, mais mettre ban représentation, si pas ban idole, ou bien ban rousse, un kit sos qui représente sa ban dimon là, kod zut kabar. Allo, zis, et shaitan pas fin dia dimon adoré. Shaitan, tu peux dire dimon, montre, inspire dimon, pour montrer respect. Allo, ban dimon, il montre respect pour sa ban kit sos là, mais avec les temps, dimon, il commence à dos sa ban dimon mou là. Allo, l'exagération concernant ban dimon pieux, fin fait dimon, détourne depuis tawhid al-ulouhiya. Et je commence à dos à Bandimoun qui pieux là. Là, Shirk fin rentré. Alors, Allah Ta'ala, il commence à voir ben, le prophète premier, nous, ben, messager, nous, alayhi salam, pour inviter Dimoun, retourne vers Uluhiya, vers Allah Ta'ala, sur l'unicité, spécifiquement dans sa l'aspect, pardon, dans sa l'aspect qui, Allah, lui tout seul, lui mérite l'adoration. Mérite l'adoration. C'est même qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, hein, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Certainement, nous venons envoyer dans chaque umma un messager avec quel objectif? أن يعبدوا الله. Pour dire du monde, adou Allah. Dites bien, tawhid al-uluhiya. Pour dire du monde, أن يعبدوا الله. Adou Allah, واجتنبوا الطاغوت. Et reste loin avec un طاغوت. Veut dire tout mal qui te sais. Qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de là, nous trouvons l'importance de Tawhid al-Uluhiya. Par exemple, j'ai dit que Iblis. Iblis, il connaît qu'il y a un seul Allah. Iblis, pardon. Iblis, il connaît qu'il y a un seul Allah. Iblis, au contraire, il dit avec Allah. Il dit dua avec Allah. Mais seulement, il refuse soumettre à Allah. Il refuse soumettre à commandement d'Allah. Allah, il finit être maudit. Mais un dimon simplement lui accepter qui Allah le créateur. Mais après ça, lui faire ben ibada pour un le tapote Allah. Alors ça c'est erreur de l'aqida. Nous vous trouvez dans le Coran quand vous lisez depuis sourate Al-Fatiha, vous venez même jusqu'à verset 21 de sourate Baqara. Pas pour une aucun lode. Direct quand Allah peut dire faire telle quelque chose, pas faire telle quelque chose. Premier lot et première interdiction y apparaît dans verset 21 de sourate Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum. Premier lot qu'Allah donne dans le Coran, ô Benjamin, ubudu rabbakum, adouz votre Rabb, alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum. C'est lui qui fait créer vous et ben qui t'a avant vous, la'allakum tattaqun. Afin que vous gagniez taqwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا. C'est lui qui vient faire la terre plate comme un firage, comme un lit plate pour du monde qui va mourir, c'est vivre. والسماء بناء. C'est lui qui vient créer les cieux comme un toit, comme un toit. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et c'est lui qui vient faire descendre depuis les cieux de l'eau et il tire depuis ça de l'eau là ben thamarat, ben fruits. Comme un risque, comme une nourriture pour eux. Fala taj'alou lillahi andada. Donc, n'a pas mis ban égal avec Allah. Wa antum ta'alamoun. Alors qu'ils te connaissent. Alors qu'ils te connaissent. Sa verset-là très important. Nous nous trouvons de sa verset-là. Premier lot. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum. O ban jimoun, adou zut rab. Premier lot, c'est u'budu. Adou Allah uniquement. Première interdiction, fala taj'al, à la fin de la même verset, du même verset, fala taj'alou lillahi andada, n'a pas mis un associé, un égal avec Allah. Ça, c'est à la fin du verset, à la fin de, Allah peut donner un lot, une interdiction, peut interdire, fala taj'alou lillahi andada, n'a pas mis un égal avec Allah, ta'ala, wa antum ta'alamoun, alors que je te connais. Écoute bien, ça, antum ta'alamoun, alors que je te connais. Nous get Imam al-Tabari, comment on explique ça wa antum ta'lamun? Qu'Allah dit fala taj'alou lillahi andada, n'a pas mis ban associé avec Allah, ban égal avec Allah. Wa antum ta'lamun, alors que je te connais quoi? Qu'est-ce qu'Ibn Abbas le dit? Ça c'est mentionné par Imam al-Mufassirin, Imam al-Tabari.
أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر n'a pas associé avec Allah ban égal qui n'a pas capable bénéficier ou ni n'est capable ni na, ni les autres capables faire du tout. Wa antum ta'lamun, alors que je te connais, qui je te connais qui ça fait, annahu la rabb, alors que je te connais qui peine aucun rabb lakum يرزقكم غير انه لا رب لكم يرزقكم غيره. Je te connais qui peine aucun rab autre qu'Allah et qui donne autre nourriture. Alors ça c'est un truc qui banat tu connais qui sa nourriture les vins des picotes les vins des picotes Allah subhanahu wa ta'ala. Je te connais qu'Allah razik, je te connais qu'Allah ta'ala il crée ça mal mouchdikina, mais malgré ça Allah ta'ala peut des autres n'a pas associé le simple fait d'accepter qu'Allah les razik il pas suffit pour faire un djimoun vin un mouahid. Les bizarres acceptent qu'Allah les razik et les remercie Allah uniquement, les faire ribada pour Allah uniquement. Nous prenons une lutte verset. Quand l'imam Ibn Kathir lui expliquait qu'il y a un mouchlikoun, je te connais qu'Allah ta'ala les razik, les administrateurs de sa univers. Dans Surah An-Kabur, verset 61, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Allah subhanahu wa ta'ala ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا تؤفكون. الله تعالى دي اي سي جو بوس ا بان مشركين لا كيسيون من خلق السماوات والأرض كيسيون لا كين كري لي سيل اي لا تي لا يقولن من خلق السماوات والأرض كيسيون لا كين كري لي سيل لا تي وسخر الشمس والقمر اي كيسيون لا كين اسوجيتي بي كونترول le soleil et la lune, le soleil et la lune naviguent dans une orbite. C'est là qui fait ça. Il mentionne la création et tasrir al-qamar wa shams, c'est-à-dire contrôle sa soleil et sa la lune là fait juste naviguer dans une orbite. C'est là qui fait ça. Allah dit si tu te poses maintenant cette question là, la yaqulun Allah, je peux dire c'est Allah qui fait ça. Veut dire c'est Allah qui crée les ciels et la terre et c'est lui qui peut administrer les ciels et la terre. Mais dis-je, tu connais ça, man, mouchidikina, ça, man, Quraysha, tu connais qui Allah fait ça, man, quitte ceux-là. Nous guettons tafsir de Ibn Kathir. Nous guettons tafsir de Ibn Kathir. Et là, je prends la précaution pour lire et traduire d'après mon capacité ce qui, word for word, ce qui Imam Ibn Kathir fin dit. Imam Ibn Kathir, il dit, Yaqulu ta'ala muqarriran, annahu la ilaha illahu. Allah, dans sa verset là, il peut dire, et il peut établir la preuve qui peine aucun ilah qui mérite l'adoration excepté lui. لأن المشركين parce qu'il y a des mouchdikins الذين يعبدون معه غيره des mouchdikins qui adorent une lutte ensemble avec Allah مؤترفون je t'accepte je t'acknowledge مؤترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض parce que ça va le mouchlikin là je te connais mu'tarifun je t'accepte je t'acknowledge je te reconnais que Allah lui unique mustaqil lui indépendant lui tout seul dans qui ça fait بخلق السماوات والأرض dans la création des cieux de la terre wa shams wal qamar dans la création de du soleil et de la lune wa taskhir al layl wal nahar je te connais que Allah qui assujetti, qui veut dire qu'il contrôle la nuit et le jour, qui fait la nuit et le jour alternés. Et qu'il dit encore, il me fait sur parole, il me peut traduire, « Wa annahu al-khaliq » Je connais qu'Allah li-khaliq, al-razik li-ibadihi, c'est lui qui donne risque. « Muqaddiru ajalihim wa-khtilafi arzakihim » Il dit, je connais qu'Allah qui décide, « Muqaddir » veut dire déterminer cette ajal, cette longévité, comme étant pour vivre. Ça là, je te connais. وَاخْتِلَافِهَا وَاخْتِلَافِ أَرْزَاقِهِمْ je te connais que c'est Allah qui détermine chacun sa longévité. Et je te connais qui اِخْتِلَافِ أَرْزَاقِهِمْ je te connais qu'Allah il met divin, chacun d'après sa quantité de risque. Pas même pareil. فَفَاوَتَ بَيْنَهُمْ je te connais qu'Allah qui fait sa différence là, dans risque. فَمِنْهُمُ الْغَنِي et n'a pas de monde qui est riche et n'a qui pauvre ou le fakir. وهو العليم et Allah li connaît بما يصلح كل منهم et Allah li connaît ban mushrikin qui accepte ça là hein? Je peux dire qui nous imam le kathir il peut dire qui ban là je connais ça ban quelque chose là qui Allah li connaît quelque chose qui est bon pour ça du monde ça là je connais qu'est-ce qu'il dit ومن يستحق الغنى je connais qui Allah c'est lui qui décide que c'est là qui
mérite la richesse, ومن يستحق الفقر, celui qui mérite la pauvreté. فذكر الله تعالى اللي بيمونتري اللي بيفي سامان سامان المشركين رابيل انه المستبد بخلق الاشياء المتفرد بتدبيرها. الله بيفي جو ترابيل جو avant là il mentionnait mu'tarifun mana reconnaître ici nous كثير اللي dit الله بيفي جو ترابيل الله بيفي جو ترابيل كي تشوز كي جو تكوني parce qu'il s'en oublié. فذكر الله في رابيل انه المستبد qui c'est Allah lui unique dans خلق الاشياء المتفرد بتدبيرها لي tout seul Allah une créman qui tseuse et Allah Ta'ala tout seul lui fait tadbir c'est lui qui administre tout qui tseuse astagit bien get qui ibn kathir li bidjak li explique sa verse là il dit fa idha kana al amru kadhalik fa lima ya'bud ghayra si c'est ça la réalité c'est que Allah lui qui donne risque lui qui donne qui décide longévité en dit quand il pour vivre quand il pour mourir c'est Allah qui donne risque c'est Allah qui fait tout ça man qui tueuse là si il comme ça falima ya'budu ghayra kifi yajmun kifi je perdu un de ta porte Allah veut dire si je peux reconnaître qu'Allah les rob qu'Allah ta'ala les razik kifi je perdu un de walima yatawakkal ala ghayri kifi je peux mettre confiance au un de qui Allah alors dit qui n'a même que faire les continuer de dire فكما انه الواحد في ملكه فليكن واحد في عبادتي سان جولي اكسبريسيون دو امام ابن كثير لي جا كوم سا سي باري كوم الله لي يونيك دون سو رويوم سا لونيفيرا سي الله سو رويوم الله لي يونيك دون سو رويوم دون ادمنستري سا رويوم لا فليكن الواحد في عبادتي كي لي اتر يونيك دون سيلوي كوم سيلوي كي ادوري Si je n'acceptais qu'Allah, tout seul qui administrait ça l'univers là, qui se prend lui comme l'unique qui mérite l'adoration. Ben dire je connais qu'Allah les robes, mais je n'ai pas fait de l'adoration juste pour lui. Dit qui Imam Nukathir lui dit, toujours mon père mentionne une parole d'Imam Nukathir. Lui dit, wa kathira ma yuqarriru ta'ala maqam al-ilahiyya bil-i'tiraf bi-tawhid al-rububiyya. Il dit dans le Coran beaucoup place Allah lui mentionne al-uluhiyya après qu'il ait fini d'établir le fait qu'il est rob. Captez ça des termes qui nous servent. Ça même ma terme principal dans sa leçon là, c'est rububiyya avec uluhiyya. Rububiyya c'est depuis le mot rob ne fin dire. Uluhiyya c'est celui depuis le mot ilah, celui qui mérite l'adoration. Il dit que Allah Ta'ala beaucoup place dans le Coran lui montrer ce rububi, lui montrer ce rububiya afin qu'il vienne à ce uluhiya. Veut-dire que l'infier du monde rappelle qu'il est tout seul qui rab, alors il découle de là automatiquement qu'il est tout seul qui mérite l'adoration. Donc rappelle bien sa relation qu'il a entre rububiya avec uluhiya. Lydia, get qui m'a mis Kathir Lydia, lui vraiment je même l'a fait encore. Lui réserver le thème clair. وقد كان المشركون يعترفون بذلك لجبن مشتك جو تاكسبتي يعترفون ادنولج جو تاكسبتي ساكيتسوز لا كي الله كي رازق الله كي مدبر الله كي كونترولي الله كي كري الله كي لي رب جو تاكسبتي ساكيتسوز لا كما كان يقولون في تلبيتهم كما جو تابتي تي سما المشركون جو ميم دو جو تلبيه رابيل كي دون ليبوك جاهليه بان عرب دو جاهليه تش بي في حج سي ريتسا دبي ابراهيم بس ما زفين ديستوت ريليجيون دو ابراهيم عليه السلام جو تش بي دي دو جو بارول لبيك لا شريك لك جو تش بي برونون سا بارول لبيك بي دي نو بي دي او الله مو بريزون مون فين ميت مو بريزونس بي دي زون في حج لبيك لا شريك لك او الله مو بريزون بينا تو بينا اسوسيي الا شريكا هو لك اكسبتي tu es un associé qui appartient à toi. Je suis associé avec Allah. Hein? Je dis, oh Allah, tu peux être associé, excepté un quelqu'un qui te prend comme associé. Bon, je dis la parole là, pas moi qui dis ça, là, Imam Lukathir. Je peux dire, la baik Allah sharika lak, illa sharikan huwa laka. Oh Allah, nous présente une vie de Hajj, la sharika lak, tu peux être associé, illa sharikan, excepté un associé, huwa laka, qui te, toi te fait prendre ça comme associé. Subhanallah, qu'est-ce comment je dis tout Allah dans la sa religion. Bon, nous passe à parole de Imam Nukathir nous montrer comment il explique sa verset là. Nous venons encore avec ban un autre preuve que ban peut montrer qui ban mushtikoun je type
Reconnaître Allah Ta'ala li rab li tu peux contrôler l'univers. Allah Ta'ala dit dans surah An-Kabut, toujours surah verset 63. Alors Allah Ta'ala dit wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah. Si te pose ben la question, c'est là qui fait descendre le depuis le ciel et à travers ça de là il fait la terre revivre, il fait végétation pousser. Après qu'il a été là, finalement, la yakoulouna Allah. Je peux dire, c'est Allah qui fait ça. Mais dire, je t'accepte. Qui de l'eau qui saute depuis le ciel, saute depuis Allah. C'est Allah qui fait la terre revivre pour dire végétation, et à partir de végétation, il y a un risque. Si je pose la question, qui c'est Allah qui fait ça, qui te là, la yakoulouna Allah. Je peux dire, c'est Allah qui fait ça. Donc, nous trouver, qui ban mouchlikoun, je peux accepter qu'Allah fait ça, man qui te là. Mais c'est moi, ça pas fait, je vais mouahid, comme un monothéiste. Pour ce qui fait, je peux associer lui avec Allah. Je peux associer, je peux faire un ribadat pour l'autre apporte Allah. Astaire nous montre un hadith qui, toujours dans ce hadith-là, nous trouvons sa relation qui est entre Rububiya avec Uluhiya. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ayyu dhambi. Ayu dhambi a'azam. Ya Rasulallah, qui péché qui plie grand? Ya Rasulallah, qui plie grand péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond lui, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Le plus grand péché, c'est qu'il te mette un égal avec Allah. Un qui se fait lui un égal avec Allah. Wa huwa khalaqaka. Alors qu'il fait créer toi. Nous regardons ce hadith là. Ya Rasulallah, qui plie grand péché? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, plie grand péché, c'est qui te met un associé avec Allah. Et les prophètes pas fin arrêter là. Te met un associé avec Allah, alors que c'est Allah qui fait créer toi. Veut dire, qui fait un ajout de sa bout là, alors c'est Allah qui fait créer toi. Veut dire, si tu connais qu'Allah crée toi, mais qui fait te mettre associé avec Allah? Tu connais le fait qu'Allah est tout seul le créateur. Quand il est tout seul qui n'a pas créé, mais déjà tout faveur émane depuis Allah. Tout quelque chose qui tu es dans ta possession, ça l'évine depuis Allah parce que c'est Allah qui est le créateur. Apporte l'ipéna. Et Allah l'écrit depuis d'un an du tout. Allah l'écrit depuis d'un an du tout. Mais qui fait tout, met un égal avec Allah. Quand c'est Allah qui fait le bien, quand c'est Allah qui décide quand il dit tout pour tout ce monde, c'est Allah qui décide ça. Quand Allah décide, c'est Allah qui, c'est lui qui décide que c'est Allah qui peut gagner un risque, que c'est Allah qui peut être privé de risque. Quand Allah qui décide, quand un djimoun pour prendre naissance, quand un djimoun pour mourir, quand Allah qui décide, qui événement qui peut take place, qui peut arriver dans le monde, c'est lui qui contrôle chaque atome de la création, mais qui fait te mettre associé avec cette ribada. C'est un meaning qu'il peut dire là. Le plus grand péché, c'est qu'il te associe avec Allah, alors qu'il te connaît, qui c'est Allah, Allah qui fait créer toi. Donc, si un djimoun, il fait une vraie différence entre Al-Khaliq avec Makhlouq. C'est un truc très important. Afaman kana yakhluq kamal la yakhluq. Allah pose question dans le Coran. Est-ce que celui qui crée et celui qui n'a pas créé, je parie, ne pense la capacité de créer? Personne n'a sa capacité là. Donc, créer, c'est faire une chose exister depuis néant, depuis non rien du tout. Veut dire tout du bien. C'est Allah qui crée. Tout du bien, il émane depuis Allah. Si nous ne réussissons pas à comprendre ça, un djimoun n'est pas capable d'associer, impossible pour un djimoun d'associer avec Allah. Il n'est pas capable de demander avec un autre apport Allah. Quand il connaît que c'est Allah qui crée. Afa man kana yakhluq kama la yakhluq. Donc, il y a deux choses. Il y a Allah et il y a créature. Créateur, créature. Une fois, un djimoun met ça bien sur la tête. Jamais, quand il connaît, c'est Allah le créateur. C'est lui, la mani'a illa, la mani'a lima mana'at. La mu'tuya lima mana'at. La mu'tuya lima mana'at. Il y a une personne qui est capable de donner quelque chose qui te fait retenir. Et personne n'est pas capable de donner quelque chose qui te fait retenir. Mais tout quelque chose émane depuis Allah. Veut dire, nous faisons la différence entre le créateur et la créature. Une fois nous faisons la différence là, un démon jamais se l'écrire pour tourner la création. Si un démon fait sa différence entre le créateur et la création,
Zame un dimon sur lequel tourne vers la création, il peut tourner tout le temps vers Allah, il peut dépendre tout le temps vers Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. C'est lui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit pour lui. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. Est-ce qu'Allah lui pas suffit pour son serviteur? Ça qui nous bien comprend, différence entre créateur et créature, c'est un qui peut faire nous rester avec shirk. Donc, ban prophète, je ne viens avec sa message là. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ. Tout le prophète est venu pour venir à Jimoun, Ani Abdullah, Ado Allah uniquement. Man Mouchdikouna, je te connais, Allah les robes, je te connais qu'Allah les créateurs. Tout ça, man qui je te connais, comment on fait trop beaucoup verset, et man explication de man Moufassiline, c'est quand même parole d'Ibn Abbas, je te connais ça, man qui là. Donc, man prophète, je viens avec sa shahada, La ilaha illallah. Peina aucun ilah, excepté Allah. Peina aucun être qui mérite l'adoration, excepté Allah. Donc, à partir de là, Tawhid al-Uluhiyya nous vient avec sa shahada. Sa shahada qui nous prononçait pour rendre à l'islam, ce premier parti. Le deuxième parti, c'est Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut témoigner que Muhammad, c'est le messager d'Allah. Nous peut conseiller nous, dans sa leçon-là, le fin dire l'iman billah, iman d'Allah, principalement. Donc, sa shahada, sa première partie, la ilaha illallah, tout ban messager finalement sa même kalima. La ilaha illallah. La ilaha. Peina ilaha. Peina aucun être qui mérite l'adoration. Je viens de dire al-ilaha al-uluhiyya. Al-ilaha, c'est celui qui mérite l'adoration. Mérite l'adoration. La ilaha. Peina aucun être qui mérite l'adoration illallah. Qui va lire sa parole là? Comment je viens de dire? Tout ban prophète, je finalement ça. An ya'budullah wa jtanibu ta'ut. Allah Ta'ala mentionne dans le Coran, c'est ce qu'on appelle la ilaha illallah, appelle ça kalimatul tawhid ou bien kalimatul ikhlas. Imam Ibn Rajab, Al-Hambali, il a un titre traité, il appelle kalimatul ikhlas. Là-dedans, il explique sa kalima la ilaha illallah. Sa formule la même qui englobe, qui renferme sa concept de uluhiyya. Sa formule la ilaha illallah, il est tellement important, c'est ça même qui renferme le concept de uluhiyya. Alors, et naturellement, quand on finit dire Uluhiyya, il découle depuis Rububiyya. Une conséquence logique. Un démon qui croit dans Rububiyya, il est supposé connaître qu'il y a un seul être qui mérite l'adoration. C'est le service de l'intelligence. La cause là, reproche Ban Koufar. Qui fait ce pas service de l'intelligence? Fala ta'qilun, c'est pas réfléchi. Dans le Coran, Allah Ta'ala mentionne la valeur de sa parole là. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Ta'ala li tenir ferme. Ban qui n'a iman par la parole ferme. Allah li affirme. Allah Ta'ala li affirme. Iman li affirme ban qui n'a iman par la parole al-qawl al-thabit. Qawl al-thabit, c'est la parole ferme. Le terme al-qawl thabit, la parole ferme. Qu'Allah peut dire yuthabbitullah, Allah li tenir ferme, li renforce. Li renforce ki ban alladhina amanu ban kina iman bil qawl thabit, par la parole ferme. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dans ça le monde là et dans l'akhirah. Dans ça le monde là et dans l'akhirah. Qui était ça al-qawl thabit? C'est quoi ça? Allah li renforce, li raffirme. Man qui n'a iman par la parole ferme dans sa dunya là et dans l'akhirat. Je finis de tout le temps dire ça. Coran expliqué premièrement par le Rasoul, par le Coran lui-même. Un verset est expliqué par l'autre verset. Ou soit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète finit explique sa verset là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu idha su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Le prophète explique sa verset là. Il dit, le musulman, quand il est être questionné de ce qabar, quand ma ange peut commencer à questionner, sa musulman là, il témoigne. يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il témoigne qui peine aucun ilah qui mérite l'adoration, excepté Allah, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, et que Muhammad c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment le croyant, quand il rentre de ce qabar, en ce moment se pose les questions, il fait sa témoignage là. Il
يعني البروفيت جاء سام كان الله تعالى في جيد القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سام كان الله في جيد سابيا سيلا الله لتنية فيهم لأفيامي بانكنا إيمان باو لا بارول فيهم بالقول الثابت في هذه الدرس على المول في الحياة الدنيا درس على المول وفي الآخرة ألو سكلمة لا إله إلا الله que nous comprenons ce signification dans dunya sam qui nous fait nous signifier ça sa kalima la ilaha illallah qui tout le prophète qui nous a amené quand nous comprenons son implication sam qui peut empêcher nous abaisser nous disons ma créature sam kalima la ilaha illallah qui donne nous rizza qui fait nous dépanne l'eau Allah quand nous comprenons le concept qui ça kalima la les renfermé donc il est important extrêmement important pour comprendre sa kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah une vraie compréhension c'est qui vous donne nous fermeté le salat et là et quand nous redonne au kabar c'est une préparation là ça prépare sa kalima la ilaha illallah pour nous le présenter sa côte Allah c'est qui l'islam c'est cinq piliers premier pilier là c'est sa shahada là donc bien prépare sa shahada là bien comprendre sa shahada là donc à partir de la semaine prochaine inshallah nous vous explique sa kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et nous vous guider pour qui sa kalima là il a sauvé et dans règle de considération Allah qui va une condition qui vous aide par exemple un kafir il est capable de ramadan dans tout dire la ilaha illallah la ilaha illallah mais il n'a pas compris qu'il veut dire est-ce que sa phrase qu'il est resté avec sur la langue là pour bénéficier lui s'il n'est pas une croix de sakina là-dedans non naturellement non à cause ça un musulman il n'est besoin pas de dire la ilaha illallah de façon traditionnelle il est besoin de comprendre son implication comment hein, qui a une implication qui découle depuis sa kalima la ilaha illallah. Voilà, frère et soeur en islam, c'est un petit peu concernant Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, comment il est important pour comprendre ça, ce concept de Uluhiyya, qui est ribada, salat, zakat, tout ribada qui nous fait, la crainte, l'amour, qui nous fait avec nous l'équerre, la crainte absolue, l'amour absolu, ça l'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on connaît Rib? Je peux expliquer, Ribada est divisé en deux catégories. Il y a un Ribada qui nous fait physiquement avec nous l'écho, il y a un Ribada qui nous fait avec l'équerre. Tout ça, un type de Ribada là, il tourne, il est obligé de dévouer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà un petit peu concernant sa concept de Uluhiyya. Et nous finissons dire, pas oublier, l'essentiel c'est que si un démon ne comprend Rububiyya, s'il est servi sur l'intelligence, ça peut amener vers Uluhiyya. Et c'est même qu'Allah peut reprocher pas de koufar. Allah fait nous connaître qu'il va l'accepter qu'Allah lui donne risque. D'ailleurs, quand nous pouvons lire Sira, nous pouvons trouver, c'est une personne, dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Fajada Jahiliya, avant qu'il nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu ce nubuwa à l'âge de 40 ans, c'est un man dimon qui s'appelle Jod ban Hunafa, pluriel de Hanif. Ça va le Hunafa là, nous avons traduit comme un monothéiste. L'islam n'est pas encore venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore gagné une boue. Il y a un monde de Jahiliya qui appelle un Hunafa. Je t'ai adosé Allah. Je de nature, nous nous expliquons qu'Allah met dans une salle sous fitra, qui est un seul créateur. L'équipe à une salle ne reconnaît pas cette chose là. Alors ça, ça va un Hunafa là, ça va un monde là. Je parti suivre ce traum. Je dis, bon, je suis nature sainte qui se tient là, je dis trouver qui s'abat qui te qui m'a dit mon péché, l'adoration de idole n'est pas bon. Ça m'a dit mon là, parmi tes n'a dit mon s'appelle Zaid bin Amr bin Dufail. Ça dit mon là, dit tu peux reprocher ban Quraysh. Dit j'avais ban Quraysh, oh ban Quraysh. Allah ta'ala lui envoie ban nuage. Allah lui fait de l'eau descendre depuis sa nuage là. Allah fait végétation pousser. Pour ça, de l'eau qui lui descend depuis le ciel. Ban, bétail, je te mange sa végétation là, sa pâturage là, je te mange ça. Mais je te, quand je te fais zaba avec sa ban animaux là, je te fais zaba au nom de je te ban idole. Get sa raisonnement. Sa raisonnement sain. Je ne servis, je te logique, je ne servis sa fitra, cinq à l'aide de sa faculté de raisonnement. C'est même qui, ça manque de raisonnement là, même qui fait man mouchlikoun. Papa Kaha comprend que si Allah les rab, les fait tout ça, qui te là, mais qui fait ne pas besoin d'adorer tout seul uniquement. C'est même qui je peux manquer là. Dis ça point là. Je ne suis pas capable, comment dire, faire ça 2 plus 2, faire 4 là. Ça 4 là, je vais réussir à gagner. Zaid bin Ang bin Nufail, ça Hanif là, et tu peux reprocher sa man mouchlikoun de Quraysh. Allah fait le nuage formé. Allah fait la pluie descendre depuis le nuage.
Elle fait ça de l'eau là, fait la terre revivre et lui fait une végétation pousser, une bétail, je te mange sa végétation là. À ce que je te fais ça-bas, je prends un nom, autre qui le nom d'Allah, je te fais ça-bas. Alors, guide ça, un argument clair, très logique. Et c'est même qui, Allah, dans le Coran, beaucoup place. Moi, je viens de trouver, Imam Nukathir, je viens de dire, de beaucoup place, Allah, les rappelle l'insan de se reboubiller avec l'objectif pour faire du monde accepter ce Uluhiyya, le fait qu'il est tout seul qui mérite l'adoration. Donc, le Coran, c'est un livre qui appelle à la logique, fait du monde beaucoup place. Allah dit, est-ce que je n'ai pas réfléchi? Allah dit, il y a un signe, ou l'île Alba, pour qu'il y ait l'intelligence. Alors, c'est ça qui est important. Qui dit, monde service sur l'intelligence, pour lui comprendre qu'Allah, Allah tout seul, il mérite l'adoration de tout ce forme qui était. Qu'Allah, ce moment-là, va nous bénéficier. Avec ce que nous venons d'entendre, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons revenir avec Kalima de Tawhid, sa Kalima La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu qui tout bon prophète fin amené, surtout Kalima La ilaha, sa première partie là, La ilaha illallah. Après, nous avons fini avec Muhammadur Rasulullah, de ce l'époque. Tout bon prophète, il vient avec La ilaha illallah. Pas d'eau, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi important, nous connaissons l'origine et réelle de l'Uluhiyya. C'est important. Nous passons là brièvement. Nous pourrons retourner avec lui quand nous proposons le shirk. Comment shirk fin commencer? Alors, ça c'est très important. Car là, ce moment-là, donne nous compréhension et nous propage le message à nos bons frères. Et nous tenons ferme avec Kalimatou Tawhid. Car là, ce moment-là, fait nous tenons ferme avec ce Kalimat-là. Fait nous vivre d'après ce Kalimat-là. Et quand nos mots aussi, car là, facilite nous pour nous prononcer ce Kalimat-là de nos kabar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Il va aller à sa kalimana quand il comprend. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. C'est lui qui se dernier parole avant les mots, c'est la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Il rentre dans le paradis. Qu'Allah t'a lavé. Fais nous une promesse avant du monde là. Wa akhid da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.